la familia. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes en forme, comme moi. Merci pour vos likes sur ma précédente vidéo, ma vidéo lookbook. Ça fait plaisir. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une AD, une Management Assistant? Donc c'est une gestionnaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vraiment s'occuper de la gestion d'une structure. Ça peut être une entreprise, ça peut être une ASBL, etc. C'est vraiment la personne qui sera le relais donc entre le patron et l'extérieur. L'extérieur, c'est pour résumer donc tout ce qui est fournisseur, client ou patient. Donc souvent on l'appelle le bras droit du directeur. Donc ces tâches, c'est vraiment tout ce qui est organisation, préparation de réunions, gestion de l'agenda du chef, fixer les rendez-vous, prendre les contacts, la communication, préparation aussi de la comptabilité. Donc elle peut être amenée à gérer des factures, gestion des colis. Deuxièmement, une bonne AD, donc au niveau technique, on appelle ça aussi le savoir-faire, doit maîtriser la langue locale, donc de là où elle travaille. Donc ici à Bruxelles, ça sera le français et ensuite, ou les deux, donc être bilingue, le néerlandais, et le plus serait de maîtriser l'anglais, donc, et indépendamment de là où vous travaillez, donc si c'est germanophone, ou francophone ou néerlandophone, alors l'allemand serait un bel atout, voire l'espagnol, l'italien, etc. comme langue. Ensuite, il y a la maîtrise de l'informatique qui est vraiment importante. Tout ce qui est TIC, c'est-à-dire Technology, Information and Communication. La bureautique ensuite, c'est-à-dire maîtriser tout ce qui est rédaction. Donc on distingue deux options en AD. On a d'abord l'option langue et gestion. Ensuite on a l'option médicale. Langue et gestion, ça correspond vraiment au profil qui adore les langues, qui sont passionnés par les langues, qui adorent tout ce qui est contact, la culture d'entreprise. Et médical, donc l'assistant médical, c'est une personne qui sera le relais entre les médecins et le personnel soignant et les patients et l'extérieur. Alors les débouchés pour ceux qui optent pour les langues et gestion, ce sont des profils qui travaillent normalement donc dans tout ce qui est les industries, donc les entreprises privées ou publiques, les écoles, les unifs, les assurances, les banques, les agences de voyage, les agences d'intérim, ça peut être dans les ASBL, les centres culturels, les ONG, donc toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Tandis que pour les ADM, donc ADM, assistant en direction médicale, ce type de profil va plutôt travailler dans tout ce qui est hôpital, les cliniques, les cabinets dentaires, les maisons médicales, principalement donc les labos, les cabinets. Donc le contenu du bachelier AD en première, pour ma part personnellement, j'ai eu comme cours en première économie et géographie éco. Je cite par ordre de priorité, donc comptabilité et fiscalité, français, c'était donc orthographe et pratique de la langue française, que je ne me trompe pas, correspondance, initiation. Donc en correspondance, on apprend comment rédiger des lettres dans votre seconde langue étrangère. Ensuite, informatique, statistique, que je n'oublierai jamais et qui m'a marqué à vie. Et pour finir, bureautique, voilà les cours en première. Donc pour résumer, il y a beaucoup de cours de langue.
Personnellement, moi j'ai étudié à la HEL, mais je sais qu'il y a la même formation à Elmo, à Liège, à l'ILM en cours du soir. À Bruxelles, vous avez la Haute École Francisco Ferrer, la Haute École Lucia de Broucker et la Haute École Galilée, Excedi, ISAT. Voilà. Une bonne info à savoir, c'est qu'il y a des masters qui sont possibles. Donc après ce bachelier en AD, il y a une possibilité de faire un master en administration publique, communication multilingue, je crois que c'est gestion des ressources humaines, que je ne me trompe pas, en sciences du travail, en gestion de l'entreprise, en sciences de gestion. Donc je crois que c'est gestion des ressources humaines. Si vous voulez plus de sources à ce sujet, n'hésitez pas à me demander en commentaire pour que je vous mette le lien. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a tellement d'endroits où vous pouvez postuler, mais ça dépend quel secteur vous visez. Donc, par exemple, le secteur public ou le secteur privé. Donc pour le secteur privé, ça sera tout ce qui est entreprise, voilà, banque, assurance, etc. Pour le secteur public, ça sera plus tout ce qui est CPAS, communes, mutuelles, les hôpitaux, les cliniques, ONG, tout ce qui est international, les institutions internationales, etc. Et donc ça va vraiment dépendre quel domaine d'activité vous ciblez. Donc ça peut être pharmaceutique, industriel, culturel, donc les administrations publiques, les constructions, tout ce qui est construction. Donc, pour conclure cette vidéo, je voudrais dire que j'aurais voulu avoir l'information, des recommandations que je n'ai pas eues. Bon, parce que clairement, voilà, j'ai expérimenté les études ici, donc j'aurais voulu, avant d'entreprendre quoi que ce soit comme étude, avoir cette information qu'il existait, donc une formation, un bachelier, appelez ça comme vous voulez, en management assistant. Donc pour ma petite histoire, enfin mon expérience à moi. Donc c'était lors du jury où j'avais fait un recours pour faire une quatrième fois donc le droit, allez savoir. Et donc le président du jury m'a fait la réflexion que mademoiselle, pourquoi vous ne feriez pas les études d'AD? J'ai demandé mais qu'est-ce que AD? Qu'est-ce que AD? Moi je ne connais pas. J'ai vraiment découvert le même jour. Et donc il m'a dit, le jury, pas juste le président, mais les autres membres du jury m'ont dit, mais oui, nous avons un peu scanné votre bulletin et on voit que vous êtes doué, enfin vous avez des bons points en langue, en informatique, en français, etc. Donc pourquoi ne feriez-vous. Enfin, on voit que ça correspond plus à une formation en AD. Et c'est là que j'ai eu, ce déclic, donc cette révélation que oui, ça me correspond vraiment parce que j'ai déjà les prérequis, entre guillemets les compétences, donc pourquoi pas. Donc j'ai vraiment eu cette chance à la dernière minute, mais vaut mieux tard que jamais. Donc merci au jury de droit. Oui, donc moi j'aurais voulu avoir ces précieux conseils, ces précieuses recommandations bien avant. Mais bon, étant l'aînée, comme je disais, donc j'ai vraiment expérimenté la chose. Et donc si jamais tu connais quelqu'un qui a besoin d'informations, n'hésite pas donc à lui partager cette vidéo ou à le taguer en commentaire. Et si vous avez des questions au niveau du bachelier, tout ce qui concerne le coût, Minerval, les stages, contenu des cours en deuxième et troisième, donc en profondeur, n'hésitez pas aussi à me demander ou à m'écrire un mail.
Et je précise aussi que le bachelier Management Assistant, c'est aussi pour les hommes, au cas où vous ne saurez pas. Donc oui, il y a aussi des hommes qui sont... Donc si tu connais quelqu'un, comme je disais, qui a du mal à s'orienter, qui a du mal à choisir ses études, donc n'hésite pas à lui partager cette vidéo ou à le taguer en commentaire. Et pour information, donc je corrige aussi tout ce qui est CV et lettres de motivation. Donc si vous avez des difficultés concernant ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail où je vous mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc principalement et surtout, bah, prenez soin de vous et restez chez vous. Take care. Bye. À la prochaine.